Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir l'outil qui s'appelle Knife. Alors j'ai fait en sorte de partager euh, les deux, parce que vous avez un seul icône qui permet d'avoir le Knife et le Bisect. Je fais en sorte de vous faire une leçon, une vidéo sur le Knife, et ensuite sur le Bisect. Donc là, vous pouvez voir une petite forme qu'on va s'amuser à créer, rien d'extraordinaire. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc nous voici sur Blender, et on va faire en sorte d'utiliser l'outil Knife. Alors là, par exemple, si je me mets en mode édition, on va le voir ici, c'est celui-ci. Donc en fin de compte, le knife, on va commencer par exemple avec un modèle, on va faire ici, on va le dilater, et on va faire CTRL A, on va mettre ici un plein. Celui-ci, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir, je vais me mettre en mode édition, je vais faire en sorte de le subdiviser avec bouton droit. Alors soit bouton droit, parce que moi j'ai ma sélection au niveau du bouton gauche, hein, puisque maintenant j'ai fait en sorte de m'habituer à ce qu'a demandé Blender, en fin de compte. Et vous cliquez automatiquement sur subdivise, soit pour vous... Pour ceux qui auront par hasard la sélection toujours bouton droit, vous cliquez sur W. Normalement, vous devriez avoir un menu qui vous permet de subdiviser. Et là, j'ai subdivisé, on va dire, euh, ouais, ça suffira. Donc, l'outil Knife, en fin de compte, bah, vous avez compris, ça veut dire couteau en anglais, tout simplement. Il va permettre, en fin de compte, de pouvoir faire des découpes. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on va faire des découpes, mais on va, par exemple, dans ce cas précis, on va faire des triangles. Et si vous vous rappelez dans une des leçons, je vous dis, les triangles, normalement, ne sont pas bien appréciés. Celui-ci a d'autres euh, fonctions, mais j'avoue que je m'en sers pas beaucoup. Ce n'est pas vraiment un outil que j'utilise que très souvent. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer comment celui-ci fonctionne. Donc, si vous appuyez sur la touche K, K pour le raccourci pour le knife, vous voyez, on a aussi automatiquement on a une espèce de snapping. C'est-à-dire que celui-ci va s'accrocher. Parce que ici, on va être en 1, en 2 au niveau des vertex. Alors, pardon, je quitte le menu. On va être en 1 au niveau des vertices en 2 au niveau des edges et en 3 au niveau des faces. On va se mettre en 1, histoire d'avoir les vertices. J'appuie sur K et automatiquement, j'ai un petit point vert qui me dit « Ok, vous pouvez commencer à partir d'ici ». Chose très importante à prendre en compte, vous avez plein d'options en bas. Là, je zoome, puis c'est bien voir. Et là, vraiment, il va falloir que... Par ben, en fin contre, je vais m'amuser avec les différentes options pour que vous puissiez comprendre comment celle-ci fonctionne. Alors, on y va. On va partir d'ici, par exemple. Alors, vous voyez, je, je clique sur un point. Très bien, je vais ici. Alors pour annuler une saisie au niveau de la découpe, soit vous appuyez sur Escape, celui-ci disparaît, je rappuie sur K. Soit tout simplement vous appuyez deux fois sur le bouton gauche de votre souris et celui-ci disparaît. Donc je recommence, j'appuie sur K. Dès que vous allez appuyer sur K, vous aurez plein d'options qui vont apparaître. Donc là on va faire ça par exemple, on va cliquer ici. En appuyant sur la touche Contrôle, vous aurez tout simplement un snapping au niveau du milieu, vous voyez en appuyant sur la touche C, vous aurez en fin de compte une espèce d'angle qui va vous permettre d'avoir quelque chose comme ça. Là, je suis en train de faire une forme pour vous montrer qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, je vais continuer en appuyant ici. Admettons, je vais désactiver C et on va par exemple se mettre ici. Ensuite, je vais vouloir en appuyant sur CTRL me mettre ici. Euh, après, je vais continuer, je vais me mettre ici. Ensuite, en appuyant sur CTRL. Je vais me mettre ici, on va se mettre à peu près ici, après on va se mettre là, j'appuie sur CTRL et je vais valider en appuyant... Alors on peut valider en appuyant sur entrée, ce que je vais faire, je valide. Donc là vous voyez que ma sélection est bien euh, soulignée en orange. Si vous vouliez faire par hasard une deuxième sélection, alors on va le refaire, on appuie sur K, on refait une sélection. Par exemple, ici, je vais faire euh, CTRL pour être au milieu. Je vais aller ici, CTRL. Et puis je dis, tiens, je vais m'arrêter là. Mais en fin de compte, je ne voulais pas m'arrêter là, mais je voulais partir ailleurs sans quitter euh, ma coupe. C'est-à-dire que je vais faire une nouvelle coupe. J'appuie tout simplement sur E, et là, vous n'êtes toujours pas validé, mais vous n'avez pas faire une nouvelle coupe, par exemple. J'appuie sur CTRL, et je vais me mettre ici. Juste ça. Et maintenant, je suis entré. Et vous voyez, automatiquement, j'ai ma coupe qui a été créée. Donc là j'annule parce que ce que je vous montrer c'est surtout par rapport à ici. Alors ce qui m'intéresserait maintenant c'est de pouvoir découper ou récupérer celui-ci. Alors avant je vais faire une autre coupe. Je vais aller ici et je vais aller à peu près, on va dire ici. Voilà, et je vais m'arrêter ici. Et je fais entrer. Parfait. Donc là maintenant je vais prendre l'outil C pour sélectionner. Je vais avant appuyer sur 3, pardon, pour mettre en mode face. J'appuie sur C et je vais tout simplement sélectionner. Les faces que je vais vouloir enlever, c'est-à-dire tout ça, tout simplement. Il y a une autre option qu'on n'a pas encore vue, mais vous inquiétez pas, on va voir tout à l'heure. Alors là, j'enlève tout ça, hop, ça paraît pas mal. Alors, donc là, j'appuie sur Entrée. Je viens donc de sélectionner euh, les faces que je voulais enlever. Mais en fin de compte, non. Ce qui m'intéresserait, c'est plutôt garder celui-ci. Alors, vous pouvez faire, rappelez-vous, Ctrl I. En faisant CTRL-I, vous gardez votre élément. Vous voulez en faire un objet Très bien. Vous, vous appuyez sur P et vous faites sélection. Automatiquement, vous avez votre objet. Si maintenant je sélectionne ici, j'ai bien un objet ici et un deuxième objet ici. Je peux prendre celui-ci, faire par exemple Shift D, mettre sur l'axe X et avoir quelque chose comme ça. Ensuite, ce qu'on voudrait faire, c'est faire une rotation et de celui-ci. J'aimerais en fin fait, compte pouvoir le coller à l'autre. Alors. Là, j'ai mon premier. Donc, je vais faire G, X. Alors, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu. En fin de compte, je fais CTRL, M, et je fais X. Et maintenant, j'ai pu faire une. une on va dire, c'est comme un effet miroir, en fin de ce que j'ai fait. Je vous expliquerai ça dans une leçon un peu plus tard, mais là, j'avoue, je ne voyais pas comment je pouvais faire autrement. Donc, lui, je vais le pousser un petit peu. Vous allez voir où je vais en venir. X. On va le mettre ici. On va prendre celui-là. Shift, D, X. Et comme ça, on va tout simplement lier les deux ensemble. Ce qui pourrait nous faire par exemple un début de vaisseau spatial. Donc là, je vais récupérer celui-ci et celui-ci. Alors ce qu'on peut faire, c'est prendre les deux et faire par exemple CTRL J. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est passer en mode vertice, prendre le premier. Alors le couteau, je n'en ai plus besoin maintenant. On va faire différemment. On va appuyer sur W pour sectionner le vertice. On va faire comme ça, et j'appuie sur F. Ensuite, je choisis le deuxième, hop, et j'appuie sur F, et ainsi de suite. Je continue. Je continue. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de créer mes faces, parce que là, on n'a créé que des edges, donc des côtés. Maintenant, je crée mes faces. Voilà, et la dernière. Donc là, comme je vous dis, ça peut être une forme intéressante que l'on vient de faire avec l'outil Knife. Si par hasard vous avez un doute à savoir est-ce que je n'ai pas des points en plus, vous sélectionnez l'ensemble en appuyant sur A et vous allez ici dans Mesh et vous allez dans Cleanup, Remove Double. Et vous regardez en bas, il est marqué 0 vertice supprimé. Tout va bien, ça fonctionne. Alors ce que vous pouvez faire aussi par exemple, si vous trouvez cette forme intéressante, vous pouvez faire E pour extruder. Vous voyez, et après vous pouvez faire ce que vous voulez, à vous de voir, hein, ça pourrait être pas mal de choses. On va prendre maintenant un autre exemple. Il y a une fonction qu'on n'a pas encore vue qui est aussi intéressante au niveau du knife. Donc là, je vais supprimer tout ça. Donc là maintenant, on a un cube. Et ce que je vais vouloir faire, c'est faire une découpe au niveau de mon cube, mais que ma découpe, si vous voulez, passe à travers. Vous allez comprendre de suite de quoi je parle. Donc en premier, je vais mettre en mode édition. Je vais faire en sorte de subdiviser mon cube en faisant bouton droit, subdivide. On va faire par exemple. Allez. On va faire euh, trois découpes. Je me mets par contre en mode orthogonal. Ou je veux dire en mode front, euh, orthogonal ou perspective. Non, restez en orthogonal, c'est important. Donc vous êtes en mode orthogonal et vous êtes en mode front, c'est-à-dire euh, vu de... Enfin, c'est moi qui ai appuyé sur la touche 1 au niveau de mon clavier numérique. Là, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Bon, très bien, tout va bien à ce niveau-là. Je zoome, puis c'est bien voir ce que je vais faire. Je me demande si je ne vais même pas faire un peu plus. Voilà, ce sera encore plus sympa. Donc maintenant ce qui m'intéresse c'est de faire ma découpe. Donc j'appuie, donc là je sélectionne tout, enfin je désélectionne tout, j'appuie sur K et comme d'habitude j'ai mon point ici. Très bien. Ce que je vais faire c'est que je vais appuyer sur Z. Vous voyez Z c'est marqué Cut float Je vais appuyer sur CTRL par exemple, je vais mettre ici. Je fais première découpe. Ensuite je vais aller par exemple ici. Je vais aller par exemple ici, donc je vais faire un petit CTRL. Après je vais vouloir aller par exemple ici avec la touche CTRL. Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Je vais aller ici, puis à la touches CTRL, je vais ici. Très bien. J'appuie sur Entrée. Bon. Vous pourriez dire, bah, il s'est rien passé. Mais regardez. En fin de compte, ceci m'a créé une découpe de l'autre côté. C'est-à-dire que là, en fin de compte, ma découpe qui était ici, il l'a reproduite de l'autre côté. C'est très intéressant parce que maintenant, on va pouvoir prendre C et tout simplement, va bah, tout enlever. Et vous aurez, alors là, elle est assez facile, ma découpe. Parce que j'ai un objet très simple, mais imaginez vous avez un objet beaucoup plus complexe, là vous pouvez faire quelque chose de vraiment intéressant. Donc là, je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. Hop. À chaque fois, j'appuie sur Escape hein, pour pouvoir euh, quitter mon, ma sélection en circulaire, puisqu'on ne peut pas faire de. on peut pas tourner sinon. À moins qu'il y ait une option, mais bon. Ça va assez vite, donc pas de problème. Hop, hop, et voilà. De rester encore une partie, c'est en dessous, oui. Alors là, il ne faut pas se tromper, vous voyez, il y a un trait qui a été fait au milieu. Donc on est bien ici, on sélectionne tout ça. Super. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais tout simplement faire un x et un face. Et vous voyez, on a une forme comme ça. Donc pour ceux qui voulaient faire des formes assez spécifiques, bah vous pouvez, grâce à l'outil Knife, faire des formes assez intéressantes. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur l'outil Knife. Et voilà, donc c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors comme évoqué dans l'introduction, euh, va, J'ai fait en sorte de décomposer euh, l'onglet, enfin l'icône, pardon, qui était Knife et Bisect en deux vidéos. Donc, bien évidemment, la prochaine vidéo sera sur l'outil euh, Bisect. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye